Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Les relations sexuelles sont essentielles au bien-être physique et psychique. Toutefois, dans le domaine sexuel, il peut être difficile d'avouer ses fantasmes et ses désirs les plus profonds, par gêne ou par peur de recevoir un refus de l'autre quant à ses pratiques sexuelles. Pourtant, la communication est importante si l'on souhaite avoir une vie sexuelle épanouie. Pour vous aider dans ce sens. En effet, en plus du respect et de la confiance, la communication fait partie des piliers d'une vie sexuelle saine et épanouie. Comme l'explique le sexologue, le silence détruit lentement mais sûrement la relation, tout comme le fait de parler de tout, sans prendre en compte l'opinion de l'autre. Il s'agit alors de trouver le meilleur moyen pour aborder les choses, notamment en utilisant la suggestion ouverte ou en abordant le sujet petit à petit et non pas en un seul bloc de discussion. D'ailleurs, voici les trois choses les plus courantes que les femmes souhaitent au lit mais n'osent pas demander à leur partenaire. 1. L'agressivité. Bien loin de souhaiter uniquement des relations douces et classiques, les femmes aiment et souhaitent également des rapports sexuels sauvages. Dans la mesure du raisonnable, un peu d'agressivité augmente leur libido et leur fait plaisir. D'ailleurs, une étude montre que les femmes autoritaires dans la vie de tous les jours sont généralement celles qui ont des fantasmes de soumission forcée. Par ailleurs, les femmes de nature plus soumise dans la vie quotidienne se laissent dominer en idéalisant leur partenaire comme étant un chevalier blanc, tandis que les femmes autoritaires l'imaginent tel un amant guerrier. À noter que les mots que pendant l'acte sexuel sont également appréciés et font partie des facteurs déclenchants du désir chez les femmes, comme le montre cette étude sur les différents signes qui augmentent le désir sexuel féminin. 2. La sensualité. La sensualité illustre une certaine confiance sexuelle et elle joue un rôle essentiel en matière de séduction. De même, que la sensualité est souvent attribuée aux femmes alors qu'elle est aussi une histoire d'homme. Regard perçant, charisme, gestes virils sont autant de manières d'être sensuel et d'augmenter le désir. Il est conseillé d'entretenir cette sensualité en dehors du lit et de prendre son temps au lit. Faire durer les préliminaires permet de maintenir l'envie et d'augmenter les chances d'avoir un orgasme. D'autant plus que les préliminaires sont souhaités par 28% des femmes et les pratiques sexuelles comme le cunnilingus sont appréciées par 63% des femmes ayant entre 18 et 24 ans selon le sondage. 3. La spontanéité. Toujours d'après le sondage, les femmes s'accordent sur le fait qu'elles attendent plus d'audace de la part de leur partenaire sexuel, et plus précisément chez les femmes entre 18 et 24 ans. Elles sont 25% à attendre cela contre 18% de manière globale. Que cela passe par la prise d'initiative durant l'acte sexuel ou par de la spontanéité quant au moment et au lieu choisi pour profiter d'un rapport sexuel, elles souhaitent que leur partenaire prenne les devants. Ainsi, messieurs, n'hésitez pas à surprendre votre dulcinée en lui proposant de nouveaux lieux et en l'attirant sauvagement pour lui faire l'amour. Elle ne pourra qu'être ravie en voyant que vous ne pouvez pas contrôler votre envie d'elle. N'oubliez pas de partager, commenter, liker la vidéo et de vous abonner sur notre chaîne. À bientôt.